marche et courir. Qu'est-ce qu'on est lent quand même. Un coup de lag. J'espère que ça se verra pas sur la vidéo que j'ai ces coups de lag. Hein. Ah, j'aime pas quand les vidéos sont comme ça. Quand une vidéo que ça tourne comme ça, que ça... ça devient un peu long en fait. Même pour moi d'ailleurs. Hein. Fait d'aller ville, de maison en maison pour récupérer les objets. Je sais pas ce que vous pensez comme moi. J'aurais donné un coup de couteau, mais... j'aurais acheté une roquette et je m'aurais fait exploser avec. Oui, non, je sors comme ça. Merde, c'est à côté. Hop, rattrapé. Un peu de sous-sous dans la poche. Et là, je vais devoir esquiver les pièges et faire en sorte qu'Ashley esquive les pièges. Parce que j'ai la flemme de donner des couteaux par terre. Les 2 mètres. C'est 4 tout à l'heure, mais en fait c'est 2. Alors, je vais la cacher pendant un moment. Alors ça, c'est dit quoi? Serra et le troisième groupe. Dans toujours où se trouve Serra, il a probablement utilisé des passages secrets qui ont montré son grand-père qui chassait dans la région il y a bien longtemps. Je suis presque sûr qu'il cache sur un domaine quelque part dans la forêt. Et si son grand-père est encore vivant, je l'aurais utilisé pour trouver Serra. Mais comment a-t-il su qu'il a été injecté dans un œuf qui peut aussi retirer l'éclosion? Ok. L'autre sujet qui m'inquiète, c'est que lui se soit échappé sur avec notre bien. Donc, avant l'arrivée de l'agent américain, je ne pense pas qu'il s'agit d'une simple coïncidence, il doit y avoir une autre personne dans le coup. Pour tirer les choses au clair, il faut capturer Louis et attendre que le médicament cesse de faire effet. Pour lui injecter un œuf. Cela fait le coupable. Le coupable passera aux aveux. Personne ne va contrarier nos projets. Ceux qui essaieront de le paieront cher. Et donc je fais une lecture vraiment approximative vu que je fais. Soit je mets moitié je lis, moitié je fais un résumé. Hein. C'est tout. Donc ça fait 3 heures de vidéo. Enfin, 3 heures de jeu, pas de vidéo. Parce que 3 heures de vidéo à ce point-là du jeu, ça serait douteux. Je prends la paix. Ah, j'avais oublié de... je l'ai bien géré. Donc là, on... ah, putain. Je vais me débarrasser de lui. Oh mais qu'est-ce que je vise bien. D'ailleurs j'ai tué l'autre sans faire exprès. Hein. J'ai remarqué. Bon, la particularité du finisher c'est qu'il a des balles on va dire perforantes. Que je peux toucher les deux ennemis à la fois. Que si, donc s'il y a une bonne petite brochette qui se prépare, je peux toujours. Tiens, ils ont invité l'organe manger.
ça, ça a pas changé, ils l'ont toujours pas vidé. Garde la boisson pour un peu plus tard. J'espère que vous allez pas bientôt manger. C'est avec ce que je viens de dire. Quoi que moi, c'est pas le genre de truc qui me dérangerait. Quoi? Un problème? Tu ne m'aimes pas, c'est ça? Oh mais qu'est-ce que je vise bien! J'ai enlevé ça pour éviter que la conne se prenne les pieds dedans. Oui, il me semblerait que je suis pas le seul à pas aimer Ashley. Quoique... Franchement, c'est... Je se posais la question, parce que... Une fille qui... qu'on doit protéger, qui glande rien, qui est incapable de sauter d'une échelle... C'est un peu... Ah ouais, on peut descendre comme ça. Vous avez raison. C'est un peu... Ouais, désolé pour le petit bruit. J'ai heurté mon micro. Quoi? Il est où? Si monsieur veut bien se montrer. Ah, monsieur arrive. Je vais attendre monsieur ici. Cambriolant ces pauvres petits villageois affectés par mes gardes. Ah oui, il est bien sauté, il a bien sauté. Mais écoute, le temps que tu arrives, je vais pas me casser ces décoffres de prendre ce qu'il y a dedans. Hein. Alors le fait qu'il saute dessus et qu'il a une tête juste après. Oh merde. Aïe tout, allez ouais. Putain, à chaque fois je galère pour trouver cette touche. L'objectif du jour, réussir à tuer cette affreusité avec les deux balles qui me restent. Du jour, pas réussi. Comment il s'est régénéré? Radin. Un vrai chien. C'est que la scène quand elle sort de... Tiens. C'est pas exactement ce que je voulais faire. Elle vient de se téléporter. Ça sent pas la première fois qu'elle fera ça. Hein. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait des bugs qui pouvaient être sympas. Par exemple, la personne avait muré son fusil à pompe, le dernier qu'on a à fond. Et qu'il avait des... un chargeur de 100 balles, enfin cartouches, et il en avait, il en restait 82 je crois, et il ouvre une porte, il en restait 88, donc il a gagné 6 balles en ouvrant une porte, comme par magie sans recharger, hein. Il y avait une fois il tenait une grenade dans la main, il ouvre une porte, la grenade a disparu, hein. Normal, j'ai envie de dire. Where are you going, Leon? Ouais, oui, c'est vrai. Je vais essayer de voir si c'est ça. Non, mais ça y est pas, mais qu'est-ce qu'il raconte? Hey, what are you looking at? Ah ouais, il y a bien une animation. Qui sert strictement à rien. Mais il y en a bien une.
trucs, on se décale à peine et on peut quand même voir le plus qu'à avoir. Allez hop. Après, il y a une scène que j'aime pas trop. Donc, je pense que je verrai pour se garder juste avant, si je peux. Sinon, au pire, je la fais. Alors. C'est des missions, Nature, le Pouzzi. Et j'ai que le fusil. Come back anytime. Oula, je suis désolé. I'd rather not hear it. Well, I'm afraid I have to tell you anyway. We've lost contact with the chopper. Someone must have shot it down, though we can't determine who. Great. We're prepping another chopper for you. Meanwhile, I want you to head towards the extraction point. Got it. Je suis désolé que j'ai pas eu le début, j'ai malencontreusement percuté le clavier de mon ordi et j'ai appuyé sur la touche couper le son. Oh mon Dieu. Leon. Small world, eh? Well, I see that the president's equipped his daughter with ballistics too. How rude! And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Oh, excuse me, Your Highness. Perhaps the young lady might want to introduce herself first before asking someone his name. Her name's Ashley Graham, the president's daughter. Is she... Well, you know. Don't worry. She's cool. Eh, never mind. There's supposed to be some kind of obvious symptom before you turn into one of them anyway. Look. Ashley. Comme si je n'étais pas au courant qu'il y a des zombies qui arrivaient. Ok. It's game time. Oh mon Dieu. Gros plan sur sa tête. Il y a personne. C'est une bonne idée. J'espère que j'aurai le temps. Bien boucher ça, ça pourrait me faire gagner du temps, le temps de ramasser tous les trucs. Sur quoi je vais juste laisser un peu faire de l'autre. En plus, c'est quoi les thèmes, c'est super chiant. Donc, j'ai peut-être utilisé ma grenade aveuglante si j'ai vraiment un problème avec les têtes. Allez, comment ça vient? Il y a déjà une tête. Ouais, ils s'en occupent de déjà deux. C'était pas assez de cette tête quand même. Donc je sais que je pourrais laisser pour récupérer les munitions. Oh, merci, je l'ai pas vu. Maman. Oh, t'as vu. Oh putain, pour le moment, je suis une tête. Leon, are you okay? Non. Non.